Je suis un Européen de confession musulmane, je ne situe pas ceci dans l'ordre de la territorialité, parce que même un Européen de confession musulmane ou un Européen de culture, ça veut, sur le plan strict, rien dire, parce que même en Europe, vous avez des spécificités culturelles. Donc un islam français ou un français qui a une confession musulmane, qui a des principes qui sont universels et une culture qui lui est propre, il faut qu'il l'assume, il faut qu'il la... qu'il la fasse sienne aussi, qu'il l'accepte non pas comme l'altérité culturelle, mais comme son expression culturelle. En d'autres termes, la participation à une identité fondée sur des principes, ce que moi j'appelle être universaliste par principe, ne veut absolument pas dire que vous ayez à faire le choix de minimiser votre identité de nature culturelle. C'est ça que je suis en train de dire. Donc je ne l'ai jamais situé dans la territorialité, au contraire, je la situe fondamentalement dans la créativité. Dans la créativité et dans la multidimensionnalité. Donc je n'ai jamais réduit ça à cela, et je sais pourquoi ça c'est gênant vis-à-vis de certains, parce qu'en même temps, je me situe aujourd'hui dans cette multidimensionnalité-là. Moi je suis un grand voyageur, j'ai absolument aucun problème avec ce que vous m'avez dit. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut absolument trouver les moyens pour que vous, Français du sud de Paris, dans l'univers culturel du sud de Paris, qui n'est pas l'univers culturel de la Tunisie, vous ayez une dimension de bien-être. Parce que l'identité assumée, ça a à voir avec le bien-être. Ça a à voir avec le bien-être dans l'environnement. Et ça passe par de multiples facteurs. Et en d'autres termes, moi, je n'ai pas envie d'un Tunisien de culture mal dans sa peau au sud de Paris, ou un Français du sud de Paris qui n'est bien dans sa peau qu'à Tunis. Ma vraie question, elle est celle-ci. Comment fait-on, avec les principes que l'on a, avec les déterminations philosophiques qu'on peut avoir, les choix que l'on a pour déterminer un bien-être là où on est? C'est pas nécessairement lié aux cultures et aux images. Voilà. Ah non, j'ai pas dit ça, écoutez-moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est multidimensionnel. Monsieur, et puis ensuite, le maire. Je peux simplement poser la question, et qui n'est pas, je ne pense pas que ce soit forcément du côté de la philosophie qu'on va trouver une réponse, parce que d'abord, il y a énormément de paramètres différents, et l'Europe dont on parle, c'était l'Europe chrétienne, enfin, ce qui faisait la globalisation, et donc la relation, bon, enfin bref. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt que comment vous voyez, si vous avez vu dans un débat à la télévision, où vous étiez sur les bords de pouvoir dire quelque chose que moi je considère comme fondamental, mais je le dis aussi, c'est-à-dire le problème que l'émigration en France est quelque chose d'extrêmement important, elle est même quasiment comparable aux États-Unis, selon des modalités qui sont radicalement différentes. Et vous avez introduit, me semble-t-il, la différence entre assimilation et intégration. Et la génération, ma génération qui a travaillé là-dessus, qui du reste dont auquel il n'y a eu que très très peu de contact par rapport à celles qui travaillent maintenant de nouveau là-dessus, parce que c'est rémanent comme problème. Nous savons que c'est un point important. Je vous donne quelques points, semble-t-il, mais vous les connaissez certainement. Vous étiez donc dans cette émission sur les bords de pouvoir déborder du bon côté le ministre et les autres interlocuteurs sur la question de l'intégration, qui n'est pas du tout la même chose que celle. Et je vous donne comme exemple, en 1924, il y a eu une enquête linguistique en France. Et sur 40 millions d'habitants, malgré les épouvantables tueries de la Première Guerre mondiale, il y avait 14 millions de personnes qui étaient de langue française, qui n'étaient pas de langue française, qui étaient bilingues. Et il y avait 6 millions de personnes qui ne parlaient que leur langue d'origine. C'est-à-dire qu'en France, la France comprenait 4 langues, non pas de patois, mais des langues, vous savez, des langues germaniques, langue de sien, enfin l'occitan, etc. Et ces gens-là, tout cela, cette diversité considérable de la société française, était gérée par des appareils d'État qui sont fondamentalement locaux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas comme principe d'assimiler les gens. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Alors, il se trouve que ça a fonctionné selon un modèle d'intégration qui est absolument différent de ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple. Voilà. Alors, je dis ça parce que, au lieu d'aller chercher la pensée universelle philosophique, c'est quel est l'état de la
comment dire, de l'émigration arabo-musulmane en France. Et je rappelle à ce propos que un ministre de l'Intérieur, Chevènement en l'occurrence, avait dit en fin 80, quand il était ministre de l'Intérieur, avait rappelé qu'il fallait compter sur trois générations à peu près 14 à 15 millions de personnes d'origine maghrébine. Chiffre absolument gigantesque. Alors, est-ce que s'était-il trompé? Je ne sais pas, mais c'était ce qu'il avait fait dans les travaux qu'il avait proposés. Et donc... si vous pouvez vous poser la question. La question, je me demandais si ces données que vous avez données ne pourraient pas être reprises et précisées dans tous les débats qu'il y avait sur la question d'identité nationale. La folie à l'heure actuelle, c'est qu'elle est présentée sous un mode d'assimilation et alors que l'histoire très récente de la France montre tout à fait autre chose. Non mais d'abord, il n'y a pas d'accident ou il n'y a pas de hasard à l'expression de la question telle qu'elle est posée. La question de l'identité nationale, c'est bien cette idéologie-là qui est une idéologie ou qui est une visée d'assimilation, c'est-à-dire de déterminer une liste de critères de ceux qui sont à l'intérieur pour assez clairement déterminer les critères de ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire on est en train de diviser, de sectoriser au nom d'une réflexion qui se voudrait être d'unification, on est en train de faire une pensée qui est de l'altérisation, c'est-à-dire qui est autre. Et majoritairement aujourd'hui, ce qui ressort des discussions, c'est que c'est essentiellement ceux qui sont d'origine arabe et les musulmans. C'est ça la réalité. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, toute votre réflexion qui consiste à dire « mais la France, ce ne fut pas que cela, ce fut autre chose » avec cette multi-appartenance, le multilinguisme et tout ceci, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. On n'est pas du tout dans cette logique-là, on est dans une logique du nivellement par la langue unique et tout ceci. Je veux dire, vous êtes en train d'assister en direct depuis 50 ans dans ce pays au meurtre de la langue arabe. C'est la langue arabe qu'on tue, c'est-à-dire elle est mal enseignée, on est en train de dire à des jeunes qui peuvent passer le bac, tu vas le faire en direct avec des lettres en français. Où est l'arabe là-dedans? Je veux dire, ils ne peuvent rien lire. Et au lieu de leur faire comprendre que la langue d'origine est une richesse qui s'additionne à la langue d'appartenance à la France, on leur fait comprendre que la langue d'origine est un déficit par rapport à la langue d'assimilation. Ça, c'est pas le hasard de l'histoire. C'est une idéologie. On est bien d'accord. C'est une régression, mais qui a... Attendez, ce que vous appelez une régression, c'est pour certains idéologues... l'illumination à travers la langue française. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça. C'est quand vous avez compris la langue française, vous êtes dans... Je veux dire, mais ça, quand vous lisez Renan, vous comprenez aussi que Renan, il laisse entendre qu'un musulman qui ne maîtrise pas la langue française ne peut pas avoir accès à l'illumination des Lumières. Je veux dire, on en est là. C'est un rationalisme qui est habillé d'une idéologie. Si on n'a pas compris ça, et puis si on entre comme ça dans ce débat-là, et qu'on n'a pas ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire la vraie profondeur historique, des vrais enjeux, de comprendre qu'il y a une idéologie là derrière, qu'on est en train de changer de paradigme idéologique. Si on n'a pas compris ça, et bien on rentre dans le débat sur l'identité nationale avec des œillères, et puis on répond à des questions. C'est là ce que je disais au début de mon exposé. La capacité critique à questionner les questions. Mais vous voulez quoi au fond? Vous êtes en train de nous proposer quoi idéologiquement? C'est quoi votre projet autour de l'identité nationale? C'est ça la vraie question. C'est pas de répondre stupidement à cette question, c'est de dire votre question me gêne parce que ce que vous attendez de ma réponse, c'est déjà un rapport de pouvoir que vous avez établi entre cette question et la réponse que vous attendez. C'est ça l'attitude critique qu'il faut avoir à mon sens. Raison pour laquelle aujourd'hui, il faut à mon sens, encore une fois, être très très critique par rapport à et même à cette je veux dire, mais vraiment vraiment ça quoi, je veux dire, c'est ce regard que la France porte
ce regard.